Ce que je vais vous raconter n'apparaît dans aucun livre d'histoire. Vous me croirez peut-être pas, mais n'oubliez jamais que ce qui est écrit est pas toujours vrai, et que ce qui est vrai est pas toujours écrit. Il s'approche ! J'y arriverai pas ! J'en veux plus ! Mais voilà ! J'en veux pas ! Attention ! J'y arriverai pas ! J'en peux plus ! On va où ? Est-ce qu'on avance ensemble ? Sois fort ! Sois courageux ! Je les vois ! Les Allemands arrivent ! Come on, come on, come on!
Face à l'immensité de la guerre, une autre foule, un autre talent. Et pour ne pas me laisser abattre, je me disais, je suis démé, je suis un tirailleur, et que Dieu nous aide. Grenade!
Notre équipement était souvent de mauvaise qualité. Pas adapté. Fallait apprendre à improviser. Fouiller. Bricoler. Je me disais, allez d'aimer. Cherche. Trouve un moyen pour que ça marche. Général allemand. On prend notre courage à deux mains et on se prépare pour le combat d'une vie. Emportés par l'euphorie de cette surprenante victoire. Même après toutes ces années, je m'en souviens encore très bien. Mais j'ai toujours une boule au ventre quand je repense à ce qui nous attendait. Maintenez la ligne de défense! Je vois! Il faut tenir cette position! À l'assaut! Ennemi repéré! Maintenez la ligne de défense! Arrive! On y arrive à la chasse! Ils sont pas tous!
De l'aide arrive. Une traînée dans le ciel bleu. Ce pilote sera récompensé. Et nous, non. Mais on ne le sait pas encore. À ce moment-là, on avait juste envie de remercier cet inconnu et son courage.